Om Vishnupada Paramahansa Padivraja Kacharya Astotara Sutta Shishimata Divinvasa Se Bhakti Vedanta Swami Shira Prabhupada Ki yes. Grantara Srimad Bhagavatam Ki yes. Go Manande Toute gloire aux dévots assemblés, toute gloire à Sri Guru, Sri Guranga. Donc nous reprenons la lecture du Srimad Bhagavatam. Tu veux traduire, s'il te plaît, Chitra? Tu peux venir là, on va faire alternance, en alternance. Tu peux prendre le livre en anglais, peut-être, ce sera plus facile. Toi de suivre. Donc nous reprenons la lecture du Srimad Bhagavatam, 8e chant, chapitre 6, intitulé « Les Devas et les Asuras déclarent une trêve ». She's going to translate in English. Don't understand English. Et nous reprenons au verset 9 et non pas 8. C'est celui d'hier, ça. Oui, c'est celui d'hier. Ouais, c'est pas celui qui est écrit au tableau. Mais là, c'est pas le 8 qui est... Non, c'est le 1. Ah, c'est le 1. Ah, c'est le 1. Oui. Non, mais il n'y avait pas de purport jusqu'au 8. Ah, c'est ça. C'est ça. Ah. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Le 9. Le 9. OK. OK. Donc, verset 9. Excusez-moi pour le petit trouble. Donc, quoi. Voilà. On est parfait. Donc verset 9. Donc je vais lire le verset directement, parce qu'il n'est pas écrit au tableau, donc vous n'allez pas pouvoir le répéter, mais on pourra peut-être faire le mot à mot. Donc je... Vous n'avez pas besoin de répéter, parce que le verset n'est pas le one on the board, donc vous pouvez juste écouter. Donc verset 9. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam. Naram Cheva Narottamam. Devim Sarasvatim Vyasam. Tato Jaya Mudirayet. Nasta prayeshu badreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhavati bhaktir naishtaki. Rupam tadvetat purushar shabebhyam. Nine. So I go just through, and after we do the word for word. Shreyor tibir vedika tantrikena yogena data saranas trilokam pashyam yamushmin u avishvamurto rupam tateit rupam tavetat purushar shabejyam shreyor tibir vedika tantrikena Yogena data saanas trilokam pashyam yamushmim ua vishvamurto. Donc peut-être vous pouvez répéter après moi. Le mot à mot, ça ne peut pas être très compliqué. Rupam. La forme. Tava. Ta. Etat. Cela. Purusharshaba, ô toi le meilleur de tous les êtres individuels. Ijam, digne d'adoration. Shreya, le bénéfice ultime.
Altibi, par ceux qui désirent. Vaidika, sous la direction des instructions védiques. Tantrikena, réalisé par ceux qui suivent les tantras. Comme le Narada Pancharatra. Yogena, par la pratique du yoga des pouvoirs. Data, ô dirigeant suprême. Saha, avec. Naha, nous les devas. Trilokam, régissant les trois mondes. Pashyami, nous voyons directement. Amoshmin, en toi. Ou, pleinement manifesté. Vishvamurto, en toi qui possède la forme universelle. Traduction est honneur et portée par sa divine grâce, c'est Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Ô toi le meilleur d'entre les êtres, toi le dirigeant suprême, ceux qui aspirent véritablement au bonheur suprême adorent cette forme de ta personne selon les tantras védiques. Ô Seigneur, nous voyons les trois mondes en toi. Translation. O best of persons, O supreme director, those who actually aspire for supreme good fortune worship this form of your lordship according to the Vedic tantras. My lord, we can see all the three worlds in you. Tonnerre et portée. Les mantras védiques disent Yasmin vigyate sarvam evam vigyatam bhavati. Quand le Bhakta voit Dieu, la personne suprême, dans sa méditation ou quand il le voit en personne, face à face, sa connaissance embrasse alors tout ce qui existe dans cet univers. Rien ne lui demeure inconnu. Tout ce qui existe dans ce monde matériel se révèle pleinement au Bhakta qui a vu Dieu, la personne suprême. La Bhagavad Gita au chapitre 4, verset 34, de ce fait, nous conseille « Tadvidi pranipatena » Pariprashnina Sevaya Upadikshantite Gyanam Gyaninas Tadvadarshinaha. Cherche à connaître la vérité en approchant un maître spirituel. Enquière-toi d'elle auprès de lui avec soumission et tout en le servant. L'âme réalisée peut te révéler le savoir car elle a vu la vérité. Brahma est l'une de ses autorités accomplies dans la réalisation spirituelle. Svayambhur Narada Shambhur Kumara Kapilomanu. On doit donc s'en remettre à la filiation spirituelle issue de Brahma pour pouvoir comprendre Dieu, la personne suprême, dans sa plénitude. Ici, le mot « Vishvamurto » indique que tout existe dans la forme de Dieu. Celui qui est capable de l'adorer peut tout voir en lui et le voir en tout. The Vedic mantras say, Yasmin vigyate sarvam evam vigyatam bhavati. When a devotee sees the Supreme Personality of Godhead by his meditation, or when he sees the Lord personally, face to face, he becomes aware of everything within this universe. Indeed, nothing is unknown to him. Everything within this material world is fully manifested to a devotee who has seen the Supreme Personality of Godhead. Bhagavad Gita 4.34 therefore advises, Tadvidi paripratena pariprasena sevaya upadekshantite yanam yaninasta padarshina. Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized soul can impart knowledge unto you because he has seen the truth. Lord Brahma is one of those self-realized authorities. Svayambhur Narada Shambhu Kumara Kapilomani. One must therefore accept the disciplic succession from Lord Brahma, and then one can understand the Supreme Personality of Godhead in fullness. Here, the word Vishvamurto indicates that everything exists in the form of the Supreme Personality of Godhead.
One who is able to worship him can see everything in him and see him in everything. Traduction à nouveau du verset. Ô toi le meilleur d'entre les êtres, toi le dirigeant suprême, ceux qui aspirent véritablement au bonheur suprême adorent cette forme de ta personne selon les tantras védiques. Ô Seigneur, nous voyons les trois mondes en toi. Ô best of persons, ô supreme director, those who actually aspire for supreme good fortune worship this form of your lordship according to the Vedic Tantra. My lord, we can see all the three worlds in you. Om Agyanati Milandasya Gananjana Sarakaya Chaturun Meditam Jena Tashme Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobeshtam Shtapitam Jena Bhutare Zvayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Jutapada Kamaram Sri Guru Vaishnavamshtya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lata Shri Vishakam Vitam Shtya E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha, Gopika, Kanta, Radha, Kanta, Namostute, Tapta, Kansha, Nagorange, Radhe, Vrindavani, Jvare, Vrishabhanu, Sute, Devi, Pranamami, Hari, Priye, Vanchakarpa, Tarubhyascha, Ipasindubhya, Hivacha, Patitanam, Pavanibhyo, Vaishnavibhyo, Namo, Namaha, Jaya, Sri Krishna, Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadha, Shri Vasadi Guru Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Est-ce que vous êtes familier avec ces écritures? Pas vraiment, non? Donc on va essayer de vous incorporer à notre compréhension du jour, parce que là on est déjà, ce que l'on lit en ce moment, à ce moment-là de la journée, tous les jours on le fait depuis des temps très anciens, et on va revoir après. Ça s'appelle le Srimad Bhagavatam, qu'on appelle aussi Amala Purana. C'est un des Puranas. Amala, ça veut dire sans faute en sanskrit. Et c'est un ouvrage très important chez les Vaishnavas. Les Vaishnavas, c'est en Inde et dans le monde, mais particulièrement en Inde, il y a beaucoup de traditions spirituelles, de courants spirituels. Et on peut les rassembler néanmoins en deux courants, les impersonnalistes et les personnalistes. C'est-à-dire que tous les deux ont une conception de Dieu, mais différente. D'un côté, c'est l'absolu, c'est-à-dire c'est une forme impersonnelle. En fait, c'est sans forme, impersonnelle. Comme par exemple les bouddhistes. Hein? Les bouddhistes, le but du bouddhisme, c'est ne plus être, le nirvana, ne plus être assujetti à la matière. Hein? Et pour ne plus être, ils se fondent dans le brahman, qui est un aspect de Dieu, en fait. Il y a trois aspects à Dieu. Brahman, le Brahman, Paramatma et Bhagavan, trois aspects. Et un de ces aspects, qu'on appelle Brahman, c'est l'aspect impersonnel. Donc, quelque part, ils ont c'est les impersonnalistes, qui sont une grande école. Dedans, il y a plusieurs courants. On connaît bien les bouddhistes, mais il y a différents courants en Inde qui sont bien plus anciens que les bouddhistes, d'ailleurs. Il y a les tendances mayavadi, enfin, les différentes choses. On ne va pas trop rentrer dans les détails, que vous allez forcément suivre. Et donc, par opposition un peu à ça, au courant impersonnel, il y a le courant personnaliste. Et ça, on en est plus familier avec cela en Occident, parce qu'on a été, sinon directement, en tout cas indirectement, ou on en a entendu parler des enseignements qui ont été promulgués. Oh, excuse-moi, je t'ai oublié là. Je suis parti. Excuse-moi. Je finis juste cette phrase. Est-ce qu'il faut qu'elle traduise en anglais pour ceux qui ne comprennent pas? Excusez-moi.
She's going to translate. I forget. Donc, par opposition, et néanmoins, en Occident, on est un petit peu initié à cette école personnaliste et vision de Dieu par les suivants et par les enseignements du Seigneur Jésus. The summary of all that is there are two main branches in spiritual practices, and one is impersonal, which means that the Supreme has no form, he's not a person. And for example, Buddhist traditions and many other traditions also have this conception that the goal is to stop being, to cease to be, to merge into the Brahman. And the other branch that we are more familiar with in the West is personal philosophy, meaning that the Supreme is a person. Oui, et donc enseignement qui nous a été donné en Occident par les suivants et le Seigneur Jésus, les suivants de Jésus et ses suivants. So, so this personalist philosophy has been given to us by Lord Jesus and followers of Jesus. Voilà pourquoi on est un petit peu plus familier avec cette notion. That's why we're a little bit more familiar with this kind of notion. Donc dans cette école maintenant, cette école Vaishnava, cette école de spiritualistes, tous les deux sont des spiritualistes, ces deux écoles-là sont des spiritualistes, mais ont une conception, une réalisation, une compréhension de Dieu qui est, on va dire, dans les côtés impersonnels, c'est incomplet, et du côté personnaliste, c'est plus complet. So both traditions are spiritualist, but one is the impersonal one is incomplete, and the personalist one is complete. Mm. They have different understandings of what the Supreme is. Incomplet parce que partiel. On vient de le voir. On peut avoir une réalisation de Dieu à trois niveaux. Brahman, donc l'aspect impersonnel, c'est le premier niveau. And so the impersonalist realization is incomplete, because there are three levels of God realization, and Brahman is the first level. Et ensuite, il y a un autre niveau de réalisation spirituelle qu'on appelle le Paramatma, réaliser Dieu comme présent dans le cœur de tous les êtres vivants. The second level of realization is Paramatma realization, which is realizing that God is present in the heart of every living entity. Et le summum bonum des réalisations spirituelles, c'est de réaliser que Dieu est Bhagavan, c'est-à-dire la personne suprême, Param Brahman. Hein, Brahman, on a vu Param Brahman. Param, ça veut dire suprême. Donc, Krishna, il est qu'on appelle Krishna, mais qu'on peut appeler Bhagavan, qu'on peut appeler Narayan, Madhava, Yadava, Hari, une multitude de noms, une milliers de noms, Jéhovah, Allah, hein, on peut l'appeler différents noms, mais néanmoins, on parle de la même personne, qu'est Dieu, la personne suprême, sous son aspect personnel, sous sa forme complète et absolue, donc sous une forme de personne. The topmost spiritual realization is Bhagavan realization, realizing that God is the supreme person, so it's his personal aspects, and he has many, many names, millions of names, unlimited names, but they're always referring to this supreme person. Et cette connaissance qui nous permet de parler aujourd'hui, on la tire des Védas. And the knowledge that enables us to speak about this today, it comes from the Vedas. Veda est un mot sanskrit qui veut dire connaissance. Veda is a Sanskrit word that means knowledge. Et notre teneur et portée du jour aujourd'hui, justement, pour être en accord, voilà, flirter entre les deux, comme ça. Et notre teneur portée aujourd'hui du jour parle justement, cite un verset extrêmement important de la Bhagavad Gita, ce verset 4.34 qui est Tadvidi Pranipatina. And the purport that we were reading today is talking about this knowledge, and it cites a very important verse from the Bhagavad Gita 4.34, Tadvidi Pranipatina. Parce que cette connaissance, elle n'est pas tombée comme ça du ciel un jour, elle a été véhiculée depuis des temps immémoriaux par une succession de maîtres à disciples. Because this knowledge, we didn't just receive it from, it didn't just fall from the sky, it was
passed down through a very long disciplic succession. Et un autre élément important, ça n'a pas été concocté, fabriqué ou écrit par quelqu'un qui s'est estimé auto-réalisé. And the other point is that it wasn't made up or concocted by someone who just decided that he was self-realized. Les Védas ont été donnés, et ça aussi c'est mentionné dans notre teneur et portée du jour, dans notre teneur et portée et chez la Prabhupada, qui est l'acharya fondateur du mouvement, qui a amené cette connaissance en Occident, dans cette teneur et portée, chez la Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, cite en partie ce que l'on appelle les Mahajanas. So in the purport that's written by Srila Prabhupada, who's the founder of this movement, and in the purport he cites some of the 12 Mahajanas. Svayambhur Narada Shambhu Kumara Kapilo Manu Prarado Janako Bhishmo Bali Vaya Shakir Vayam. Dans ce verset que Prabhupada cite dans la teneur reportée, sont énumérés les 12 Mahajanas que les Écritures dont les Écritures garantissent l'authenticité. So this verse that Prabhupada cited lists the 12 Mahajanas, and so we know that they are authentic personalities. Peut-être vous avez entendu parler dans la religion chrétienne en général, il y a les premiers moines qu'on appelait les pères du désert. Maybe you've heard of this in the Christian tradition. There's monks who are called the fathers of the desert. C'est les premiers, les pères du désert. C'est les premiers à avoir vraiment poussé, vraiment à avoir remis un peu à l'ordre du jour, les enseignements, en tous les cas, avoir vécu pleinement les enseignements des évangiles. They are amongst the first who revived or at least lived by the teachings of the evangelists. Mais là n'est pas le point. Le point, c'est de faire ce rapprochement avec, quand on parle des Mahajan, Mahajan, Maha, ça veut dire grand. C'est ce qu'on appelle, en fait, dans la tradition Vaishnava, les pères de la spiritualité. Mahajan, Maha means great, so the Mahajans are like the fathers. C'est les garants de la connaissance. They're the guarantors of knowledge. Et ils sont cités, leurs noms sont cités dans les Écritures, dans les Écritures védiques. And their names are cited in all Vedic literatures. Et à travers ce verset que je viens de citer et qui est cité dans le Srimad Bhagavatam, il y en a 12. And in this verse that's cited in the purport, there are 12. Et parmi ces 12 Mahajans, ou garants de la spiritualité, le premier, c'est Brahma. Brahma est le premier être créé. Brahma is the first created being. Démiurge de l'univers. Je ne sais pas comment on dit en anglais. L'architecte, c'est le créateur en fait. C'est lui le créateur. He's the architect, the creator of the universe. Sous la dictée de Dieu, la personne suprême. Under the direction of... Sous l'inspiration du Seigneur suprême. And under the, well, inspired by God. Et le père de Brahma, c'est Narayan, c'est Krishna. And the father of Brahma is Narayan, is Krishna. Et Krishna, Dieu, la personne suprême, a transmis cette connaissance à Brahma. And Krishna, the supreme personality of Godhead, transmitted this knowledge to Brahma. Et ensuite, Brahma l'a transmis cette connaissance à son disciple et fils, d'ailleurs, qu'on appelle Narada. Et ainsi de suite, cette connaissance a été transmise comme ça, de maître à disciple, depuis des temps très, très, très anciens. And in this way, the knowledge was given from master to disciple since time immemorial. Ce qui garantit l'authenticité de cette connaissance. And that's what guarantees that this knowledge is authentic. Et en Inde, il y a 4 sampradayas de cette nature qui sont reconnus et authentiques. And in India, there are 4 sampradayas who work on this basis and who are recognized and authentic. Et cette école, nous que nous représentons, cette école Vaishnava, elle est reliée à Brahma. And the school that
Vaishnava school that we represent is linked to Lord Brahma. Plus complètement, on l'appelle la Brahma Madhva Gaudiya Vaishnav Sampradaya. C'est notre tradition. Mais il y en a trois autres. Celle-ci donc issue de Brahma, le premier être créé, et Acharya de cette succession disciplique. L'Acharya, c'est-à-dire le maître spirituel par excellence. So, this tradition is called the Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. And so the acharya, which means the main teacher of this line, is Brahma, and there are three other lines. Mm-hmm. La Shri Sampradaya, qui vient de Lakshmi. The Shri Sampradaya comes from Lakshmi. La Kumar Sampradaya, qui vient des quatre Kumaras. Kumar Sampradaya comes from the four Kumaras. Et la Rudra Sampradaya, qui vient de Shiva. Et ces quatre personnes que je viens de citer, ces quatre personnes sont, à part Lakshmi qui est un peu particulière dans ce sens qu'elle est l'épouse, Lakshmi est l'épouse de Narayan, ce ne sont tous des Mahajan qui ont été cités dans le verset qu'on vient de voir. And so all these personalities, apart from Lakshmi, who's the consort of Narayan, all the others are one of the 12 Mahajan. Donc il y a Brahma, Shiva, Narada, on vient de les voir. Manu, Kumara, Kapila, Prahlad Maharaj, Bhishma, Shukadev Goswami, Yamaraj, Janaka et Bali. Voilà, ça c'est les 12 Mahajan, 12 autorités en termes de connaissances spirituelles et particulièrement védiques. So these 12 Mahajans are the authorities in terms of spiritual knowledge and specifically Vedic knowledge. Donc, ces Védas ont été donnés à Brahma, on vient de le voir, le premier être créé, par le Seigneur Suprême, qui les a transmis. Et dans notre succession disciplique, celle qui vient de Brahma, apparaît, il y a environ 5000 ans, un avatar qu'on appelle Vyasadev, et qui est avatar, ça veut dire nom différent du Seigneur. So, these teachings were imparted to Lord Brahma by Krishna himself, and then Brahma passed the knowledge down, as we saw in line. And about 5,000 years ago, there was an avatar called Vyasadeva. Et cet avatar, qui est non différent de Krishna, est dans notre succession disciplique. Et son service essentiel, ça a été de compiler les Védas, c'est-à-dire de les mettre par écrit et de les organiser. Parce qu'avant, c'était un enseignement oral, très dense, hein, sous forme d'aphorismes très, très denses et difficiles à comprendre, à part si on était initié ou guidé, sinon extrêmement difficile d'accès. Donc, Srila Vyasadeva apparaît, compile les Védas et les rend accessibles à tout à chacun. So this avatar, an avatar means that he's non-different from the Supreme Person, came to write down and organize the Vedas because before they were not written down and they were very complicated with lots of aphorisms and lots of literary embellishments. So he came to write them down in a way that's accessible to us. Les Védas compilés, c'est une énorme quantité d'écrits, énorme. Ça couvre tous les sujets, les sujets spirituels, mais aussi des sujets tels que les sciences, hein, l'astronomie, l'astrologie, la mathématique, beaucoup de la médecine, l'architecture. Plein de domaines. Cette pièce reste probablement trop petite pour les mettre tous. So the Vedas are a huge body of literature because they include spirituality, but they include all sorts of other topics, so astrology, astronomy, mathematics, architecture, so many things. So even this room probably wouldn't be big enough to put all the Vedas in it. Le maître spirituel de Vyasadeva, c'est Narada Muni. On vient de le voir, c'est un Mahajan. Et quand une fois que Vyasadeva a eu accompli son service, il néanmoins avait été pas très 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 satisfait de son œuvre. So even after Vyasadeva finished his service of writing all these Vedas, he didn't feel completely satisfied. Et Narada Muni l'a approché et lui a demandé qu'est-ce qui n'allait pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Après avoir... quand on a fait son devoir, en général, on est satisfait. Because usually after
Et donc, Vyasadeva lui fait part de sa morosité, du fait qu'il ne se sent pas très très satisfait malgré le fait qu'il ait œuvré beaucoup. So Vyasadeva says that although he's worked a lot to compile the Vedas, he doesn't feel completely satisfied by his work. Et donc, approchant son maître spirituel qui est Narada, il lui demande conseil. Il lui dit comment ça se fait, pourquoi après avoir fait tout ce travail, je suis pas plus satisfait que ça. So he approaches his spiritual master Narada Muni and inquires from him why am I feeling like this? Why do I not feel satisfied? Et Narada Muni lui explique qu'en fait, c'est très très bien ce qu'il a fait, et c'était nécessaire de le faire, il fallait que ce soit fait. Mais qu'il, finalement, dans toute son œuvre, il n'a pas mis l'emphase et pas parlé assez de cette connaissance de Krishna, de Dieu, la Personne Suprême. So Narada tells him that everything he has written is very good and it's very good work, and it was necessary to do that, but it's not enough because he hasn't put enough emphasis on God and the Supreme Personality of Godhead. Alors, Vyasadeva s'est remis à l'œuvre. So Vyasadeva started working again. Et il a écrit un certain nombre d'ouvrages, mais un des importants, pour faire simple et plus court, parce que sinon on peut parler pendant très très longtemps, mais une de ses œuvres principales et essentielles, c'est son commentaire sur le Vedanta Sutra. Et ce commentaire du Vedanta Sutra, c'est le Srimad Bhagavatam, l'ouvrage que l'on lit aujourd'hui, à cette heure-ci. Il est composé de 12 chants. Et qui ne sont pas chronologiques dans l'histoire. Dans le temps, on va à des époques. Historiquement parlant, il n'y a pas de chronologie, mais il y a une chronologie néanmoins dans l'acquisition de la connaissance spirituelle en lisant cet ouvrage. So in terms of history, it's not so much chronological. It goes back and forth in time, but there is one type of chronology. It's the acquisition of knowledge. So it progressively it gets more and more important. Voilà, et un autre ouvrage aussi important qu'il a compilé, qu'il a mis par écrit, très important, mais dont on n'étudie qu'une partie, en fait, c'est le Mahabharata. Mais dans ce Mahabharata, c'est la grande histoire de l'Inde. Et dans cette grande ouvrage qui est vaste, qui, je crois que c'est plus de 100 000 versets. 100,000 verses, Mahabharata? Something like this? Non? You don't know. I think it's more than... 100,000. Yeah, something like this. Yeah. C'est un très grand ouvrage, 100 000 versets, plus de 100 000 versets. Et nous étudions juste les 700 versets les plus importants. Mahabharata means the great story, great history of India, and it's about 100,000 verses long, but we only study the Bhagavad Gita part. J'ai pas tout à fait dit ça, j'ai dit les 700 versets les plus importants. Qu'on appelle, et elle vient de le dire, la Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, c'est-à-dire le chant du bienheureux. Bhagavad Gita means the song of... du bienheureux. un ouvrage extrêmement important parce qu'il nous donne la connaissance qui permet de répondre aux questions fondamentales de l'existence. It's a very important book because it enables us to answer the most important questions of existence. Donc deux ouvrages très très importants, il y en a d'autres, mais ceux-là c'est vraiment des fondamentaux auxquels on va se référer quotidiennement à différents moments de la journée, la Bhagavad Gita et le Srimad Bhagavatam. So there are many books that we read, but the main ones are these two that we read every day, Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam.
On peut expliquer, c'est pas souvent, mais la Bhagavad Gita est à étudier en général avant le Srimad Bhagavatam, parce que on est sur des questions qui sont plus basiques. Donc, là, dans le Srimad Bhagavatam, on va directement aller dans des connaissances qui nous permettent de réaliser Dieu. So generally we start studying Bhagavad Gita because it explains the more basic principles, whereas the Srimad Bhagavatam gives us the knowledge to actually start understanding God. Connaissances basiques, mais néanmoins qui vont prendre du temps à être réalisées, comme par exemple, première chose que Krishna enseigne dans la Bhagavad Gita, c'est « Je ne suis pas ce corps ». So, Bhagavad Gita is basic knowledge, but still it can take us a long time to realize the knowledge. And for example, the first teaching that Krishna gives in there is that we are not this body. Que l'on est âme spirituelle. We're spirit soul. Et ça, ça peut être intellectuellement acquis. Voilà, il suffit d'un peu quelques arguments, un peu de philosophie, on peut le comprendre intellectuellement. Le réaliser, ça prend un petit peu de temps. So, intellectually, we can understand this principle quite quickly, but to actually realize it, it takes a lot more time. Et là est notre œuvre, là est notre travail, là est notre œuvre de réalisation. On parle d'œuvre de réalisation spirituelle. Là est le travail, c'est de justement utiliser cette opportunité que donne l'existence humaine, à utiliser ce temps à comprendre d'où je viens, où je vais, pourquoi je respire chaque jour, pourquoi je vis, pourquoi je suis là, pourquoi j'ai cette forme même, pratiquement parlant, pourquoi et voilà, il y a un tas de questions qui sont fondamentales à l'existence. Après, il y a des... Voilà, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? C'est quelque part secondaire, parce que ça, la réponse est vite trouvée. Mais ça, c'est plus compliqué. D'autant plus, comme on vient de le voir, il y a beaucoup d'écoles parfois, qui ont quelques tendances différentes ou qui ont des conceptions ou compréhensions différentes. Donc, voilà ce qu'est la vie humaine. La vie humaine est faite pour apprendre à comprendre qui je suis, qui est mon créateur et quelle est ma relation avec lui. So, our work, our actual work should be self-realization, to try to answer these questions of who am I, where am I going, where do I come from, why do I breathe each day, why do I have this human form of life. And they are the primary questions, the kind of questions like, what am I going to eat tomorrow, a secondary almost. So the primary work should be answering these questions of who I am, who my creator is, and what is my relationship with him. Et ça, c'est la raison d'être de la forme humaine. La forme humaine, dans les autres formes, dans les autres espèces, il y a 8 400 000 autres espèces d'êtres vivants, ils n'ont pas cette opportunité. Le chien, si vous présentez un livre de philosophie à un chien, il va renifler pendant quelques secondes, mais il va vite passer à autre chose. So that's the goal of human life, is to answer these questions, and the human form of life specifically, because there are 8,400,000 species of life, but only the human form of life gives us the opportunity to realize this knowledge. And if you give a philosophy book to a dog, he might sniff it for a few minutes, but then he can't do anything with it. Et vous pouvez toujours essayer, même si vous avez quelque peu entraîné votre chien à l'obéissance, vous pouvez toujours lui expliquer et lui lire les shastras, la Bhagavad Gita, ça va pas beaucoup changer pour son... Dès qu'on va arrêter, il va tout de suite en revenir à l'essentiel pour lui, c'est-à-dire manger, dormir, s'accoupler, se défendre. Even if you've trained your dog very nicely and you try to read the books to him and explain the philosophy, he might listen for some time, but he'll very quickly go back to his essential things, which are eating, sleeping, mating and defending. Donc la forme humaine est précieuse, précieuse. Et si vous regardez le monde, c'est énormément d'êtres vivants, énormément, beaucoup d'êtres vivants. Et parmi les êtres humains, peu s'intéressent aux questions fondamentales de l'existence. So this human form of life is very rare.
You can see on the planet there are so many living beings, and then amongst those there are so many human beings, but very few take an interest in spiritual life. Et ne pas utiliser son temps dans cette recherche, c'est mésuser de cette opportunité. And not using our time to pursue this knowledge is actually misusing this opportunity. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans ce monde, on finit toujours par perdre ce que l'on néglige. And I don't know if you've noticed, but in this world, we always end up losing what we neglect. Si je néglige ma voiture, je vais la perdre. If I neglect my car, I'm going to lose it. Je vais la casser, elle va casser. Si je ne l'entretiens pas proprement, elle va casser. If we don't maintain it, it's going to break down. Si je néglige ma santé, je vais tomber malade. If we neglect our health, we're going to become ill. Si je néglige mes amis, je perds mes amis. If I neglect my friends, I'm going to lose my friends. Néglige mes enfants, je perds mes enfants. If I neglect my children, I'll lose my children. Donc la ferme humaine, c'est pareil, c'est un don, c'est une grâce, c'est une opportunité unique, essentielle, et qui dure qu'un certain temps. Ça paraît être long quand on regarde de devant, mais quand on regarde derrière, on voit que ça va très vite. So this human form of life is a gift, it's a very, very rare opportunity, and it's very short actually. Well, at the beginning, it seems like it's very long, but actually when we look behind us, we can see that it goes very, very fast. Et dans l'acquisition de la connaissance, il y a deux stades. Il y a le stade gyan et vigyan. Acquérir le gyan, c'est-à-dire la connaissance, analytique, intellectuelle, cérébrale, je dirais, c'est pas très compliqué. Enfin, encore que, quand on rentre dans des sujets très philosophiques, comme voyez, il y a des passages, des écritures, qui peuvent être, si on n'est pas accompagné, on voit souvent des personnes qui nous achètent la Bhagavad Gita et qui se mettent à la lire, et qui après quelques minutes, parfois un petit peu plus long, ça prend quelques heures, et la mettent de côté en se disant, je ne comprends rien. So, acquiring gyan knowledge is intellectual, like, process is not so difficult, even though it's sometimes for very elevated or complicated things, it can be more difficult. And for example, some people pick up the Bhagavad Gita, we give it to them and they have a look, and after 2 minutes they say, I can't understand a thing. Et ça, c'est juste la connaissance intellectuelle, c'est juste de la philosophie, c'est juste des gymnastiques un petit peu intellectuelles pour nous faire comprendre ou prendre conscience de certaines choses intellectuellement. And that's just intellectual knowledge, which is just trying to understand the philosophy. Mais la vigyan, c'est la réalisation spirituelle, c'est la réalisation de cette connaissance. C'est un stade bien plus avancé. Vigyan is the realization of this knowledge, which is a much more advanced stage. Une petite image pour vous donner une image, voilà, un petit exemple pour donner une image, voilà. Un petit exemple pour donner une image. Vous vous rappelez tous, probablement, je pense, vous avez probablement étudié les mathématiques. You probably all remember studying maths. Et en algèbre, dans les mathématiques, lorsque l'on arrive au niveau des équations, c'est plus une vue de l'esprit qu'autre chose. C'est plus quoi ? Une vue de l'esprit. In algebra, it's more a vision of résoudre une équation, c'est une prise de conscience presque. Solving an equation is almost like une prise de conscience. It's almost like a whole new conception. Hein, les repères orthonormés, les géométries dans l'espace. Là, ça devient, on rentre dans des sujets qui défient notre intellect. The more we progress, there's topics that defy our intellect. Mais lorsque, avec l'aide de quelqu'un, en l'occurrence le professeur de maths, qui est bienveillant et compassionné, et qui veut transmettre cette vue d'esprit, cette
cette compréhension des mathématiques. Il arrive un moment où, où d'abord vous acquérez les schémas techniques, c'est-à-dire comment techniquement parlant il faut le faire, mais ensuite, après, il arrive un moment, sous la direction du prof, vous réalisez, ah oui, je comprends maintenant comment ça fonctionne. Who already knows and can explain to us. At the beginning, we understand practically how it works, and then after some time, we actually understand it. We get it. Il y a une ouverture d'un seul coup en vous. Il y a une compréhension, il y a une réalisation. C'est une réalisation soudaine qui n'est pas le fruit du hasard. C'est juste vous arrivez à un point de compréhension que vous ouvre les portes à un autre stade, un autre niveau de conscience dans les mathématiques. And then suddenly you have this click in your mind and you understand how it works and it's actually a realization. You really realize how it works. Et vous pouvez bien analyser les deux stades. Il y a eu le stade où le prof était au tableau et vous expliquait ce qu'est une équation. Il expliquait sa raison d'être, à quoi ça va servir, comment ça fonctionne. Mais alors, vous n'avez rien compris du tout. Vous avez compris, vous l'avez entendu pourtant, vous avez entendu ce qu'il a dit. Il a montré par un schéma. C'était clair, net et précis. Mais vous n'avez pas percuté sur le sujet. Donc, vous pouvez voir ces deux niveaux. Le premier stade était quand le teacher était au front de la room et writing sur le board et explaining what an equation is and why we need it and how it works and everything, but you didn't really grasp it. Mais lorsque après que vous devez passer à l'exercice, et là vous pouvez pas régler l'exercice, vous avez pas compris, vous pouvez pas, vous êtes là, alors le prof vient et vous aide. Et par ses compétences, il va arriver à vous faire prendre conscience du schéma intellectuel à suivre pour résoudre ce problème. But then when it's the time to do the exercises, you realize you can't do it because you haven't understood. So then the teacher comes to help you and explains again and shows you, and then you realize how it works, and then you can do it yourself. Et après, vous pouvez en faire des dizaines. C'est presque gratifiant d'en faire après, une fois qu'on a compris. Then you can do it again and again. It's almost gratifying to do it because you've understood. Et puis vous pouvez le transmettre. Vous pouvez le mettre en application dans votre existence. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où vous réalisez, vous comprenez, ah oui, ça y est, j'ai compris, il y a un soulagement qui est là, il y a une forme de libération, vous êtes soulagé, ah, waouh. Et puis, voilà, c'est lumineux presque. On est pourtant sur des sujets complètement matériels. Donc dans l'acquisition de la connaissance spirituelle, c'est-à-dire la connaissance de Dieu et de moi, et moi avec lui, il y a deux stades. Il y a le stade gyan intellectuel et il y aura le stade vigyan, le stade de réalisation spirituelle. So when we acquire spiritual knowledge, it means knowledge of God and who we are in relationship to Him. There are two levels, this gyan and vigyan. Et comme on vient de voir dans ce verset-là, gyanina stadva darshina. Et ça, c'est le sujet du verset du jour et de la teneur reportée, voir Dieu. And as we've just seen in the purport from today, gyanina stadva darshina, the topic is seeing God. On ne peut pas voir Dieu avec nos yeux matériels. Sinon, ça fait longtemps qu'on l'aurait vu. Et ça fait des décennies et des décennies, des siècles et des siècles, et des milliers d'années que les gens cherchent. Moi, je veux bien croire en Dieu, montrez-moi-le. Mais on ne peut pas vous montrer Dieu avec vous. On peut vous montrer Dieu ou la méthode qui permet de voir Dieu. Mais on peut pas, avec vos yeux, avec nos yeux matériels,
fait de chair et de sang, on ne peut pas voir Dieu parce qu'il n'est pas de ce monde. Quand je dis ça, c'est qu'en fait, il est omniprésent, omnipotent, omniscient, dans chaque atome, chaque molécule, pas le moindre brin d'herbe ne bouge sans sa volonté. Donc, quelque part, en fait, il est extrêmement présent. Chaque molécule dans chaque chose. Mais en même temps, je peux vivre sans le côtoyer, sans le voir, sans l'entendre. Pour l'éternité, pratiquement parlant. Nityabhada, on dit en sanskrit, Nityabhada, éternellement conditionné, si on veut. But at the same time, we can live completely separated from him and not see him anymore. Donc ce qui me sépare de Dieu, en fait, puisqu'il est si présent, ce qui me sépare de Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce qui me sépare de lui, alors? Qu'est-ce qui me fait que je ne peux pas le voir? So if God is so present everywhere, what is it that's keeping me from seeing him? Celui qui me sépare de Dieu, c'est moi. The person who is separating me from God is me. Et ma conception corporelle de l'existence. And my bodily conception of life. J'ai désiré, ou j'ai voulu, ou il y a très longtemps, très probablement, voire on a évidemment complètement oublié, mais d'une manière comme d'une autre, on est aujourd'hui séparé de lui parce qu'on l'ignore, parce qu'on ne le connaît pas, parce qu'on ne sait pas. On n'a pas cette connaissance de Dieu. Ça, c'est un aspect. Et aussi parce que quelque part, et encore aujourd'hui, d'une façon probablement même pas, c'est pas mesquin, c'est d'une façon, comment dire, c'est une forme d'ignorance, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne sait pas. En fait, on veut vivre sans lui. So we are separated from him because we don't have knowledge of him, we don't know who he is. And yes, so we are separated because we don't want to know him. Pourquoi? Parce que quelque part, on veut être lui. Why? Because somehow or other we want to be him. We want to be God. Quelqu'un qui contrôle, quelqu'un qui jouit, quelqu'un, voilà, c'est ce que l'on veut être, c'est un petit Dieu. Et plus on a d'ailleurs, on acquiert de pouvoir, plus on a d'opulence en ce monde, sous une forme ou sous une autre, que ce soit sous forme de sonnant et trébuchant, ou bien, c'est-à-dire sous forme de monnaie, sous forme d'argent, ou sous forme de beauté, de richesse, de renommée, de connaissance. Tout ça, c'est des opulences. Parfois, on pense que l'opulence, c'est juste l'argent, mais en fait, être beau, c'est une opulence. Être intelligent, c'est une opulence. Être instruit, c'est une opulence. Être de bonne famille, c'est une opulence. Et ainsi de suite. Être en bonne santé, c'est une opulence. Beaucoup d'opulences qui font qui nous séparent plus et plus encore, en fait, quelque part, de Dieu. So we want to be controllers, we want to be enjoyers, so in a sense we want to be living God. There's opulences in the material world. And actually we can see the more we acquire these opulences, and they can be wealth or beauty or knowledge or all sorts of opulences, actually the more we accumulate those, the more we become separated from God. Donc pour revenir à ce point, c'est finalement mon conditionnement, c'est pas moi vraiment, parce que moi, ce que je suis, le vrai moi, il y a deux moi en moi. Il y a le vrai moi qui suis le vrai moi, un profond, celui qui est moi, l'âme spirituelle, le vrai ego. Il y a deux égos en fait, il y a un vrai ego, moi, et il y a le faux ego, mon conditionnement, ce qui me conditionne. Homme, femme, noir, blanc, et ça c'est encore que superficiel, mais après il y a toutes les anarthas, le degré, les gunas, c'est-à-dire les différentes influences qui sont sur nous, la manière dont on est né, la manière dont on a été élevé, la manière dont on existe, le karma, c'est-à-dire les résultats de nos actions, tout ça, ça nous conditionne. Egos, one false ego and one real ego. And the false ego is the conditioned nature, it's
this external identity of being a man or a woman or black or white, or these are just external things, and then there's internal things, there's all the anathas and qualities inside us. Pour faire pour schématiser un peu, c'est comme si en nous il y avait deux chiens. Il y a le bon chien et puis il y a le mauvais chien. Et le mauvais chien, il aboie. Vous savez, les mauvais chiens, on en voit souvent, qui sont, vous les regardez, ils ont déjà les crocs sortis, en train d'aboyer, à tirer sur leur corde, à vouloir attraper le mollet. Le mauvais chien, colère, hein, avidité, enfin toutes les mauvaises qualités que l'on pourrait avoir, que l'on peut avoir. Et puis il y a le bon chien. Le bon chien, c'est le vertueux, celui qui est bienveillant à l'égard de tous, qui veut le bien, qui a de l'empathie pour les autres, qui est vertueux, quoi, voilà, qui est bienveillant. So there's the bad dog. We've probably all seen bad dogs. They've always got their mouth wide open, ready to bite our legs, and they're pulling on the lead, and they're angry, and they're lusty, and running after everything. And then there's the good dog who's in goodness, and he wants the welfare of others, and he's very kind and gentle. Et à votre avis, qui est le chien qui domine? Qui est le chien dominant? And, which dog do you think is the dog? En votre cœur, en votre fort intérieur, lequel domine? In your heart, deep in your heart, which one is dominating? Celui que vous nourrissez le plus. It's the one you feed the most. C'est très simple. It's very simple. Mm-hmm. Il faut arrêter de nourrir le mauvais chien. Il faut commencer à se mettre à nourrir le bon chien. Parce qu'arrivera un moment où l'autre va être affaibli. Il sera toujours là, mais... Enfin voilà, il sera... Et l'autre, il aura pris de l'ampleur. Il sera dominant parce qu'il sera bien nourri. Donc, nous devons arrêter de nourrir ce mauvais chien et commencer à nourrir le bon chien. Parce que, whichever one we stop feeding, gradually it will become weak and it will still be there and still making some noise. But the other one will be much stronger. Ça c'est un peu le début de la vie spirituelle, c'est arrêter de nourrir le mauvais chien et de nourrir le bon chien. So in a sense, that's the beginning of spiritual life, is stop feeding the bad dog and starting to feed the good dog. Ça fait aider énormément dans le progrès, dans la connaissance spirituelle. It helps a lot to progress in spiritual knowledge. Ok, il est 9h10, il faut qu'on s'arrête là. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions? I've got one question about the samadhyas. We're talking about the different samadhyas. So she got Brahma and Lakshmi, and there were some other ones. Shiva. And the Kumara. And Kumara. So obviously Lakshmi is the consort of Vishnu. So, but what about Shiva and the other ones? Would they have got their knowledge from Brahma or directly from Krishna? Because Brahma's the first created being anyway. So. Ils ont reçu leur connaissance de Brahma. Brahma est le premier être créé, et ensuite il a eu différents enfants. Il a eu différentes. You understand, maybe? Brahma a donné la connaissance à tous les autres. Oui. À Shiva et. En tout cas, à Shiva et puis à. Oui, au Kumara. Yeah, so Lord Brahma gave knowledge to Shiva. C'est des enfants de Brahma. Because they are his children, actually. Et Lakshmi probablement tient sa connaissance de Krishna, Narayan. So, really, the samadhyaya from Brahma is. Kind of more reliable because that comes directly from him, whereas Shiva had to hear it from him and they gave it to other people. Right. J'ai pas compris. Il dit qu'on peut peut-être faire plus confiance à la sampradaya de Brahma parce que Brahma c'est directement lui qui parle alors que les autres c'est pas déjà passé par quelqu'un d'autre. C'est une bonne façon de voir les choses. Oui, c'est bien, ouais, c'est une bonne façon de voir les choses. Ouais. On a dit dans la traduction. Que Narada Pancharatra faisait partie des tantras. Oui. On suit Narada Pancharatra pour adorer les déités. Mm. Est-ce qu'on peut expliquer la relation entre les tantras, les Vedas? Est-ce que c'est Suleti, Shruti,
suis désolé, c'est dans la traduction. Oui, c'est dans la traduction, mais ce n'est pas pour ça que j'ai beaucoup de connaissances sur le sujet. Il faudra peut-être voir ça avec quelqu'un de plus, quelqu'un qui connaît mieux ces sujets. Je ne sais pas très bien, je ne sais pas. Okay. Je ne peux pas t'éclairer là-dessus. Okay. Ah, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, mais ça là tu te mouilles pas trop. En tout cas, il y a réponse. Je peux t'indiquer un peu quand même que dans, il y a un ouvrage qui explique bien ces choses-là, c'est les gloires et mystères de l'Inde. Le premier chapitre est un bon éclairage sur les écritures et comment elles partent dans tous les sens. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, les Puranas sont divisés de cette manière. Les 18 Puranas, ils sont divisés en fonction de ces influences, que l'ignorance, la passion, la vertu. Narada, on espère quand même que c'est un mot de la vie. Ok, on va s'arrêter là alors. Jai Srimad Bhagavatam Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. Merci beaucoup. Hare Krishna.